Salut les gens Stardarine, je suis comme toujours avec Katox, Atemir et Weirdmec. Nous sommes sur du Baldur's Gate 3. Dernier épisode, nous avions affronté tant bien que mal les dangers d'une crypte piégée où on s'en était presque tous bien sortis et là on s'apprêtait à faire un long repos pour continuer l'aventure et recharger nos sorts. Bonsoir Mais alors messieurs. ça, on a une conversation à Bonsoir. faire. Coucou. Ah oui, il y a une conversation à suivre. Allons Ah tendre l'oreille. Avec sûrement. Gale. Hop là. Là, il était full saoulé. C'est... Ah, Gale! You got Gale. Allez au diable! Ah ouais, carrément! Ouais. Oh, comment ça, aller au diable? C'est la Ah oui, faire lui. Watcher Dame House là. Dis donc. Watch your mouse. Oui, parce que ouais, je suis bilingue. Tu vas faire de Will Smith, il va venir sur scène et lui coller une grosse baffe. Nothing. Nothing. I'm just poorly making a point. Go to hell. An everyday expression. So trivial it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Pas trop là d'être couvert de sang. Bah, j'ai pas pu me Il pète débarbouiller encore. un peu l'ambi là. Ouais. Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. J'ai des petits culs. Je t'ai entendu, Katox. Ah, c'est un peu Camelto là, hein, je dois dire. Ça y est, ça y est. Heureusement, ça fait plus de 15 secondes. Ah oui, dans le jeu, dans le jeu. Ah, personne n'est d'accord. Vas-y, vas-y, Atemir, prends la dernière. Exactement, c'est exactement ce que je voulais faire. Wake you bright and early. We'll need to find a healer before the wee one gets hungry. Eh, je suis prête, moi. Oh. Ouais. Ah bah, y a Miss qui veut parler là-bas. Non, c'est moi qui lui parle. Ah oui, bonjour. Ah, ah non, moi je voulais pas lui parler, je voulais lui piquer son stuff, mais je sais pas comment on fait. Bah, tu peux la pickpocket. Ah, oh, c'est pas bête. Oh, t'es vraiment très intelligent. Je vais donc faire ça de suite. Fine, but not for too long. Each hour that passes, the thing inside us grows. We need to find a healer. Let's wake up with our slime. Je t'avoue, en arrière-plan, en train de courir dans tous les sens derrière la meuf, c'est assez particulier. En fait, t'es à la place pour we'll autre chose. We're overdue some good fortune. Rest well. We'll need our strength. Que de platitude. Bon bah. Tiens, j'ai deux égides arcaniques. Ou alors c'est pour dans deux tours. Non, non, c'est j'en ai looté deux. Oh, je suis déçu. Eh, attends, elle a un scroll, Arda. Ah, tu veux que je la pousse peut-être Attends. Vas-y, on va la bouler. Vas-y, attends, je te la pousse. Je te la pousse, comme tu peux aller derrière. Arda, t'as tenté d'apprendre le parchemin de retour à la vie? Moi, j'ai réussi. Oh, let's go. Tu m'as envoyé un parchemin de retour à la vie? Non, t'en as un de base. Ah bon? Attends, vas-y, si je la pousse, vous pensez qu'elle va pas apprécier? Ouais, juste à côté de tes potions de régénération. Non, je peux pas la prendre. Ah, elle aime pas. Tiens, je t'ai foutu un autre parchemin aussi, si tu veux. Ça aurait été pété. Parchemin de détection des pensées. Je crois que j'ai pas l'or nécessaire. Niveau de magicien trop faible en plus. Il peut que je l'ai volé à la meuf. Bon, moi je vais me coucher. Non. Oui. Dieu. Mais non! Attendez deux secondes! Mais qu'est-ce qu'il fout encore lui? Il essaye encore de piquer des trucs. Et alors, non, merci pour le pare-chaud, mais malheureusement, mon niveau est trop faible. Tu pourras t'en servir plus tard, c'est pas grave. Si bien sûr que je pourrais m'en servir plus tard. Ah, en plus. Allez, quoi, en avant là, c'est bon. Un joueur est en train de faire les provisions du camp. Ouais, si vous pouvez prendre les petites. Ah, mais c'est qui a chopé toute la bouffe? Moi? J'en ai. Moi j'en ai plein de la bouffe.
Attendez, mais si accepte, peut-être qu'on les file à la même personne qui propose le long rest, comme ça. Non. J'ai réussi avec 4 trucs coup. À faire 40. Est-ce que j'essaye de faire plus encore que 4 ? On peut essayer de faire plus. À 39, c'est pas assez. Atox, t'as accès à mon inventaire ou pas ? Non, non, moi j'ai un autre joueur en train de choisir pour du camp pour s'octroyer un long repos. C'est pas moi qui lance le long repos. C'est moi. Mais c'est pas... fallait pas qu'on fasse ça ? Si, mais est-ce que tu peux choisir la. Ah, mais je vous rassure, j'ai rien, moi. Je vous rassure, moi j'en ai pas de la bouffe, donc je fais avec la vôtre. Ouais. Ah, donc t'as accès à l'inventaire de tout le monde ? Ouais. Ah, bah, okay. C'est parfait. C'est justement ce qu'on se demandait. J'ai essayé de faire 40 avec le plus de trucs possible. Tant qu'à faire. Bah, après, je sais pas entre le. Et que vaut ce 40 ? Bah, je sais pas, j'en sais rien. 40, c'est ce qu'il faut pour faire un repos. Ah. Normalement, j'essaie de prendre les trucs les plus divers possibles. Vert, possible. Superbe. Oh non. Oh, dur. Comme 5 et 5, 10. Ah, là, je l'attendais, j'ai... je l'attendais. 4... C'est vrai que ça faisait longtemps. C'est 5, ce qu'elle dit. 6 et 4, 10. Putain, on dirait qu'il est en train de faire des mathématiques. Et ça se voit qu'il est nul. 42. Alors, ouais, ça rappelle les preuves de quand on était petit, tu sais. Est-ce intégrale que quand de tu plus as 4 poires et 5 pommes, combien de légumes as-tu ? 42. Ouais. Il y a un piège en l'air. Billy a 150 bonbons. Il en donne 2 à chacun de ses deux amis. Il mange le reste. Qu'a Billy ? Billy a le diabète. Je l'attendais tellement, cette vanne. Oh là là. Ah, c'est... tu t'en sors, Atémir ? Ouais. J'essaye de faire vraiment le... En quittant vos inventaires, mais c'est compliqué, hein. Bah après, sinon, c'est... peut-être que les... Le poisson pourri, les champignons pourris... C'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, globalement, on va manger des pommes, du poisson, il y a beaucoup d'ail, il y a un peu de fromage. C'est très bien. J'ai trouvé du vin. On va passer une bonne nuit dans une... C'est le truc à faire dans un milieu fermé, tu vois. Des saucisses, je me rappelle avec devenir des téticiens, hein. Je sais pas. Allez, si c'est vraiment... Parti. Ah, c'est moi qui ronfle. Oh là, cette moustache, je ne m'en remettrai jamais. Et voilà. Waouh. Ah, là, elle a remis son armure. Ouais. Tout le monde s'est rhabillé, c'est parfait. Comment on fait déjà? On quitte le camp, c'est bon? Ouais. Ah, mais une porte, là. Ah, d'accord, quand on quitte le camp, ça le fait que pour nous. Oui, les copains. On arrive. Je suis tout seul. Mais t'as quitté le... T'as fait quoi? T'as fait par le menu repos? Non, j'ai fait quitter le camp en cliquant sur le feu de camp. Et j'étais tout seul. Là, je suis avec Karda. Ah, c'est... Hey. Moi, je viens de trouver l'endroit où on peut mettre les coffres de voyage. Tu veux pas tout transporter sur ton dos, mais c'est trop tard. Après, normalement, tu peux faire en droit, tu peux envoyer à ton coffre de voyage. C'est ouais. Pas comme si j'avais encore la moitié d'espace d'inventaire. Je peux encore porter. Bon, après 8 minutes de long repos, on passe enfin de l'autre côté de la crypte. Je t'ai vu me piquer des trucs là. Ouais. Alors attendez, je vais. Ouais, tu viens de me piquer une clé, j'ai vu. Ah Je vais peut-être. Alors moi, j'ai juste cliqué sur la porte. Hein. Je suis pas allé dans ton inventaire. Ah, c'est embêtant ça, j'ai pas le silence. Je vais retirer ça. Oh, ces scribes morts, vous pensez qu'ils vont revenir à la vie? Moi je sais pas, mais je suis justement en train de me préparer parce que j'ai pris protection contre le bien et le mal et. Attends, y'a pas de truc pour les morts. Y'en a plein partout de protection contre le bien et le mal là, c'est quoi cette. J'ai eu quoi? Allez, petite armure de mage là. T'as pu apprendre ou pas protection contre le bien et le mal, Arda? Je l'ai déjà appris. Moi ouais, je l'ai aussi. Hein. J'ai un bâton. Je vais filer les scrolls à. Ah, pas parce que je vais peut-être plutôt vous mettre une bénédiction. Ouais, je vous mettrai peut-être plus de béné. Je sais pas s'il vaut mieux que je mette les béné ou si je bane les ennemis. Je sais pas en français comment tu traduis bane. Maudire, je crois. Ah ouais? Maudzi. Bane, c'est. Bane, c'est pas. Maudire, quand tu renvoies un. Quand tu bannis un démon, ah Mercant ça se dit. Non, c'est banishment ça. Ça c'est banishment. Ouais. Ok. Bon, me laissez pas tout seul, moi je vous suis. Bane, c'est fléau.
Ah mais okay, attends, mais qu'est-ce qu'il est parti? Oui, c'est vrai. Quoi, là il est parti explorer. Par là. Ah, il y a une échelle. Ouais, trouve une échelle. Il y a un levier aussi. Et un levier. Alors, l'échelle, c'est pas le truc qui mènerait par hasard à la trappe là-haut? Je te le dis tout de suite. C'est exactement ça. Ouais, je m'en doutais. Ah, mais d'accord, vous êtes parti par là. Je voulais recliquer sur le levier pour qu'il puisse pas descendre, mais je suis dessus. Salaud! Alors, il restait un scribe qu'on n'est pas allé chercher, mais je voulais pas aller le chercher tout seul. Bah, toi, t'as peur? Quand je vois des trucs comme ça là, ça sent le mort-vivant quand même au bout d'un moment. Alors, moi, je suis descendu au milieu, hein. Je sais pas vous, mais. Bon, ils ont 10 PV. Je viens de faire un religion fail en descendant. Si t'es où? Au milieu là. Ah, tu descends. Vas-y, je suis au milieu. Ah non. J'ai regardé, je crois qu'il y a un coffre là. Ah ouais, il y a un coffre. Voilà, super, j'ai trouvé des gobelets. On va mettre un peu de lumière parce que c'est. Moi, j'ai allumé la lumière. C'est Jirgal, le dieu des morts. Le scribe des morts, non? Entomb Warrior. J'ai trouvé un cimetière. Moi, si jamais on trouve une masse, je veux bien la. Ah, j'ai trouvé un bouton, si jamais. Ouais, est-ce que je peux vous inquiéter en disant que j'ai trouvé ce bouton aussi? Where is the bouton? De l'autre côté, t'as trouvé le bouton. Ah bah, j'ai perception. Je clique sur le bouton. Ouais! Il y a un truc. Ah, j'ai ouvert une porte! On a gagné de l'XP, les gars! Oui, et on a réveillé les morts! Ok, let's go, on va se cacher! De l'XP, de l'XP, de l'XP! Ouais, oh! Ils ont pas l'air d'être. Oula! Moi je me casse, hein! Bah, venez dans la petite porte! Ouais, moi je. Hop là! Au revoir! Un petit foncé. Alors, si on peut tous se mettre dans la pièce, comme ça je vous mets une petite bénédiction. Y'a pas un mec que je pourrais vite fait. Mettre un petit froid glacial là, comme ça là? Ils sont tous hors de portée! Et sur pourquoi t'as fait ça? C'est à moi? Ah oui! Il teste son sort. Ça me permet de me déplacer alors que j'ai plus de mouvement. Ah! Oh, pas bête! Ah, je suis là! Et si vous voulez un petit trick, vous pouvez utiliser plonger sur une bougie pour mettre votre arme en feu. Alors, comment te dire que mon épée à deux mains, je pense que c'est déjà. Si jamais j'ai trouvé une amulette qui sera pas mal pour toi, Arda. Bah, vas-y, fais péter, hein. Bah, je peux pas, on est en combat, mais. C'est une amulette qui vous donne le sort parler avec les morts. Ah oui, ça sera utile. Allez, let's go, venez les petits. Il y avait quelque chose dans le sarcophage ou pas? On l'a pas ouvert. Non, il est fermé. J'ai tenté de l'ouvrir et il dit: est-ce que vous tentez de forcer le destin? Blablabla, tuer d'abord tout le monde. Enfin, retuer d'abord tout le monde. Du coup. Ouais, moi je veux bien qu'on tue tout. C'est bien, il balance tout foncé là. Dynamite. Par contre, ça m'embête. Quand j'avais fait la run sur l'early access avec le prêtre, j'avais silence et là je l'ai pas avec le prêtre de la tempête. C'est peut-être parce que c'est pas un spell que t'es censé avoir. Bah tu peux pas tout avoir. Hein. Non, mais c'était juste que c'était vachement pratique avec justement les casters. Par contre, Arda, je vais te faire très plaisir. Alors ne bougez pas s'il vous plaît, hein. Hop. Hop. Ça tombe bien parce que je voulais. Je sais pas si je te le mets à toi ou à moi le. Est-ce que j'aurais quand même une petite ligne de mire pour aller leur casser la gueule ou pas? Je pense pas, je vais pas avoir grand chose. Non, parce qu'en plus j'ai mis de la graisse. Hein. Ah, oh bah super. Mais regardez sur votre. Quand vous mettez votre flèche sur l'endroit. Ouais, tu vois. Oui, c'est marqué en dessous graisse. Ouais, et de toute façon tu passes en jaune donc. Moi je sais pas où est-ce que je vais me caler. Ah bah tiens, je vais vous jouer le petit récital de la bataille du temps jadis. Attends, on voit quelqu'un là ou pas? Ah ouais, non. Ah bah, je pourrais pas leur tirer dessus. Je peux pas non plus, j'ai pas la portée. Ah, je vais devoir patienter, je pense. Ah ouais, attends, peut-être que. T'as réussi à lui mettre une flèche dans la gueule? Ouais, le mec qui est plus. Quand tu regardes l'escalier, le gars qui est plus à droite. Attends, pourquoi je peux pas changer? Pourquoi je peux pas mettre avec moi? Parce que tu as utilisé ton action. Faut juste que tu sélectionnes l'arme, l'attaque à distance. Ah, t'as déjà fait ton action? Ouais, t'as déjà fait ta béné. Je t'ai béni. Hop là.
Allez, là, maintenant, tombé. Comme un vieux nul. Ah, ah vieux, ça c'est sûr qu'il a l'air de l'être. On va peut-être attendre qu'ils soient tous dans la graisse pour leur mettre le feu, non? La graisse, ça crame ou pas? Oui. Ouais. Alors lui, à chaque fois, je sais pas ce qu'il fait, mais il part dans l'autre sens, c'est... D'accord. Hein? Mais il a... Je sais pas, peut-être qu'il se dit qu'on va sortir. Oh, ça va durer longtemps alors, si on se regarde dans le blanc des yeux. Alors venez, alors vous venez. Ah, il s'est cassé la gueule en plus. Ah ouais, mais... Est-ce que je peux y aller au cac? Ah non, non tu risques de glisser contre la graisse. Tu peux pas me... Tu peux le tirer dessus. C'est peut-être un peu tôt. Ça, je peux pas le faire. Ok. Moi, je suis obligé de me mettre dans le feu si je veux les taper, c'est relou. Alors, ce qui est bien, c'est que je pouvais pas lui balancer un sort, mais je peux lui balancer une flèche. Ah, bon. Les lignes de vue, hein. C'est un grand mystère. Le grand mystère des lignes de vue. Je sais pas pourquoi vous vous mettez là, facilement tapable en fait. Parce qu'on peut plus bouger après. Ah. Moi, là où je me mets, ils sont obligés de passer dans le feu, donc... Ah, non, c'est pas ça, c'est plus que Arda, il est visible plus vite. Ouais, ça fait un dommage en crit, ça devrait le faire. Quelle faiblesse. Ah, là par contre, ouais. Vas-y, mec. Ah, il a bien joué son silence, là. Ah non, c'est bien fait, Ken. Ah oui, vous êtes tous en verbal. Non, moi je tire à la... Non, moi je suis un... Oh, le silence a même fait interrompre ma musique. C'est bien pensé. Ah, c'est le principe, hein, quand il n'y a pas de son. Eh ben bonjour monsieur. Tiens, allez, on va faire dodo. Là, tu l'as tué déjà. Bah ouais, après... Oui, c'est vrai qu'on est tous les deux, c'est embêtant. Non, moi c'est pas grave. Hein. Non, t'as l'air tout déçu. Je pense que moi je pouvais le one shot que toi non. C'est pour ça que je l'ai. Je sais pas combien tu fais de dégâts en max toi. T'inquiète. Ah d'accord. Je vais tenter un truc. Ah bah voilà. Je tente un truc. Non. Oh. Qu'est-ce que t'as tenté? D'aller le sauter au-dessus des flammes. Mais t'es pas en train de prendre cher? Oui, il a pris 3 PV. Ah mais Step tu peux faire 2 jumps toi? Step of the wind, gars, je suis un moine. Ah mais oui, c'est vrai, allez. Je suis un moine. Putain, j'avais fait oublier que tu pouvais faire claquer des keys et faire n'importe quoi. Non mais c'est j'ai même pas... Ah si, c'est un key point quand même. C'est un key point, mais bon ça va, c'est Oh! Ah l'arcane ward qui fait plaisir. Il t'a mis combien là? Juste un dommage du coup. Wow. Allez tiens, casse-toi, ça t'apprendra. Putain mais pourquoi toi? Attaque à main nue, tu l'attaques avec la lance, bon. T'as l'extra portée avec la lance déjà? Non, c'est parce que il est rentré. En fait, tu vois, il faut qu'il rentre puis qu'il sorte de mon. Je vais me faire le gars qui est un peu loin. Ouais. Attends, tu fais celui-là? Tu fais celui. Attends. Dans l'escalier là. Yes. Ouais. Bon il est par terre, il est stun. Glacial sur le scribe mort là. Ça lui fera un petit malus. Oh là là. On les a tous butés là, c'est bon? Ah bah, ouais. On leur a lavé les fesses, je pense. Eh bah, ça s'est beaucoup mieux passé que la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a fait encore? J'ai cliqué sur le sarcophage. Il a voulu looter. Oula, le mec il est pas mort! Non! Qu'est-ce qui se passe? Tu sais l'amulette là que tu avais dit pour parler aux morts là, c'était maintenant qu'il faudrait l'utiliser en fait. Bah je l'ai pas mis. Ah, c'est qui va la récupérer l'amulette? Là, pour l'instant c'est moi qui l'ai mais... Oh là là. Mais je l'ai même pas équipé en fait. Quoi. Oh, j'aime trop par contre le design de ce perso, je trouve vraiment cool. Il a pas l'air choucard ce gars. Now, I have a question for thee.
What is the worth of a single mortal's life? Ah, quelle question. On va attaquer. Allô? Ouais. Je réfléchis. Aussi. Il va attaquer. En vrai, j'ai dit. Comme on le connaît beaucoup trop bien. C'est tellement évident. Alors, pour ceux qui nous regardent, ça fait quand même des années qu'on fait du jeu de rôle ensemble. Donc on commence à connaître un peu les délires des uns et des autres. Il y a des gimmicks qui s'en dégagent. Il va l'attaquer. Ah, mais vraiment, on... Il a un PV. Oui, alors non. On peut arrêter. Quelle tristesse. Mais il est immourable. Bah c'est ce que je viens de voir. Je suis très déçu. Inès, quelle tristesse. Ah là là. Ah mais je peux pas te tirer l'amulette en plus, salaud. Par contre, c'est tout. Là, si on veut faire un peu de méta, vous voulez pas lui piquer la thune parce qu'il est plein de thunes le mec. Bah vas-y, essaye hein, si tu Alors, peux. Alors moi je pickpocket pas. Non, moi je vois. Pour moi il y a rien. Moi je. Bah ouais. Ouais. Mais ah il lui a retiré les thunes parce qu'il avait plein de thunes dans la dans l'early access. Non mais ces thunes elles sont dans la dans le sarcophage en fait. Les 600, il avait 600 PO sur lui durant la bêta. Bah là il a 100 PO, 2 lingots. Ah mais il y avait l'argent dans la tombe et sur lui. Ah c'est dommage là. Ah peut-être qu'il fallait pas l'attaquer. Si on l'avait pas attaqué, peut-être qu'on aurait eu l'issue. Ah bah écoute, c'est trop tard, on ne le saura jamais hein. Oh là là là. Oh là là. Tu me l'as tiré la mulette. Ça s'appelle flétrice. Non bah non, je peux pas toucher à ton inventaire. Ah oui, c'est vrai. Je te mise dans ton inventaire. Bon bah. Merci, je crois que je vais m'en équiper tout de suite. Tiens, attends, t'avais des spells que tu pouvais pas apprendre parce que t'avais pas d'argent, non? Non, c'est bon. C'est bon? Parce que j'avais des spells que je pouvais pas apprendre parce que j'ai pas le niveau. Ah. Ah, là, il y a des trucs intéressants. Les secrets de la fracture, j'ai gagné de l'inspiration. Le livre des dieux morts. Verrouillé. Pourquoi j'ai un livre qui est verrouillé? Qu'est-ce que je viens de lire? Un collier en argent. J'ai lancé le dialogue. T'as lancé le dialogue avec qui? Avec un bouquin. Putain, c'est un nain qui lance un dialogue avec un bouquin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Regarde la technique. Paf! Stylé. C'est hommage. Mais non, je comprends tout ce qu'il y a dedans. Ah, 3 tomates, une courgette. 2 bouteilles d'huile et de ravioli. Exactement, c'est ça. Un petit peu de PQ. Pierre aiguisée et un parchemin porno. Oh là! Ah ouais! Ah, regarde faire un bonus. Tous les bonus. Oh non, ça a 10, ça devrait aller. C'est un clerc à moins 1 en intel quand même. Ouais, ça. Ah merde! Oh, j'ai oublié de prendre la. Bon bah. Let's go. Non mais t'as guidance de base. Hein. 17, oui, non, c'est qui pas fait ça. Un 17 naturel. Et pour la religion. Mais si, regarde la. Je l'ai le bonus pour la religion. Non, c'est un bonus de proficiency que t'as. Oui, oui, oui. Bah oui, mais ça me rajoute quand même plus de. Ah oui. Ah, cette petite tête de mort. Avec sur la. Ah bah, qu'est-ce que tu crois? Ah, oh. Bon bah, je sais pas ce que j'aurais pu investiguer, mais. Allez, hop là, je prends le livre des morts. Mais vous êtes si loin. Moi, j'ai récupéré une pierre d'âme, une pièce d'âme. Ah ouais, j'en ai trois. Pour un prêtre. Ah, j'ai une pique, si tu veux. Une pique? Ah, t'es mien. Ouais. Dans le sarcophage? Là, c'est une pique, j'ai portée supplémentaire, ça fait 3, 12 de damage. Elle est où? Attends, je te la file.
Je l'ai dans moi. J'ai cru qu'on se faisait attaquer, mais en fait c'est flétrice. La mienne est verte. Ouais, mais ça c'est une lance. Là c'est une lance et l'autre c'est une pique. La pique elle a une portée supplémentaire, regarde. Bah je crois qu'on a fini d'explorer la crypte hein. Et t'as plus de... Tu peux aussi embrocher les gens, regarde. T'as plus de... Si t'es proficient avec les piques, t'as plus de possibilités à clair. Ouais, mais... Pas de moyen d'ouvrir la porte ancienne. Sur la mienne j'ai ça déjà. Justement. Mais non, mais regarde. T'as la charge, mais regarde sur la pique, t'as la charge, t'as deux autres trucs en plus. Ouais, mais non, mais en fait, je suis pas proficient sur les... Moi, c'est une lance, et toi, c'est une pique. Et du coup, c'est une arme martiale, et je suis pas... Tu l'as pas. Moi, c'est les halbardes. Si jamais on trouve des halbardes aussi en arme à deux mains, ça peut être sympa. On va pas pouvoir ouvrir la grande porte, faudra qu'on ressorte par là où on est venu. Comment ça, la grande porte? Non, on peut pas ressortir par là où il y avait les pièges, où je suis mort. Attends, vous êtes parti où, là? On est retourné là où on a buté tous les gens, là. On a tué les gens. Ah, donc vous êtes carrément sorti. Rien de sortir un jour. Non, on a fait le tour. Et vous êtes déjà Attends, il y a un levier là. Levier du dernier souffle. Ah non, livre du dernier souffle. Ah oui, on n'a pas la lecture. Pour un match, elle a fait. On avait ouvert cette porte. Ah oui, mais c'est le. Ouais, c'est l'extérieur. Effectivement. Ah, un peu d'air frais. Oui, c'est vrai que tout ça c'était parti de ce truc là en mode on est allé là. Eh ouais. Alors, en fait, on va avoir plein de nos besoins, ça va vendre. Ah, c'est plein de thunes. Oh, on va se faire de la moule. Oui, c'est doux. Des pépettes. Bien. Petit point de vue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si je me repose là sur le banc en granit? Là, je vous attendais. Ah, pas, mais moi, je viens de voir un truc, mais. Oula. Je me dis, ça doit être fait exprès. Attendez, on a trouvé une pelle ou pas? Hein? Quelqu'un qui a une pelle? Non. Non. On a pas trouvé de pelle? Il vient se casser la jambe. Ah, voilà, je trouve un coffre. Ah, nice. Bah, vas-y. Avec hein. Un collier en bronze, un but de caustique, un excès de résistance au feu. Vous êtes sûr? Vraiment, il y a personne qui a trouvé une pelle? Et de la balsamique. Moi j'ai pas de pelle. Oui, on est sûr de ne pas avoir trouvé de pelle. Un chemin là. J'ai trouvé un chemin. Il sent pas la noisette, cela dit, mais. N'y va pas trop vite, trop loin tout seul, c'est pas prudent. Non, je vous attends. En plus, c'est vrai que j'ai pris cher. Ouais, donc vous avez sautouillé par là-bas, il y avait rien. Bah, il y avait un petit coffre, c'est fait. Ah d'accord, okay. Je sais pas pourquoi ça me dit que j'ai 5 potions de soins alors que dans mon inventaire j'en vois que 3. Honnêtement, je. Attendez, j'arrive à piquer. Oh, y'a un filet, on peut le prendre. Oh, je peux utiliser le filet. Ah non, quoi? Je peux pas. Pourquoi t'as viré ton sac de provisions du camp? Parce que j'en ai deux et que celui-ci il était vide. Si t'en veux, si tu le veux, prends-le, mais. Bah, bon, pas, putain. Ah, là, on a la suite de l'aventure qui se profile devant nous. Attends, il y a un truc par là, alors. Bon. Par là, il se passe des choses, là. Par où? Là. Oui, mais il y a plus proche. Va pas si loin. Tu vas louper des... Bon, je... Allez. Ouais, t'entends des gens parler. Suivez-moi. Non, je vais pas lui parler parce que sinon ils vont se poser des questions, ceux qui sont devant moi. Moi, je pense que ça, quand c'est en italique, tu lui parles dans ta tête, je pense. Ouais. J'aime bien la petite persuasion là. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de charisme. Oh, ça, t'aurais dû parler. Attends, je te file. Oh, ça va. 5. Il s'en est fallu peu, hein.
je tiens à dire quand même qu'on a vachement plus de chance au dé dans BG3 que dans D&D. Hein. Ne parle pas trop vite. Enough. Lower the trap. Ready your blade. Ah ouais, on va lui bousiller la gueule. You've but one chance. Join me or die. Qu'est-ce que vous préférez? On attaque la Ezel ou on attaque les Tiflins? Moi je voulais attaquer ni l'autre en fait. Moi je l'aime pas moi. Tu l'aimes pas? Je suis sûr qu'elle est d'un bon niveau hein. Bah, bon. Elle est level 1. Bah, de toute façon bah, j'aurai ma run de mon côté donc si vous voulez on la bousille. Allez. Moi je sais pas dans tous les cas. C'est laquelle que... Ah c'est elle que vous voulez bousiller en bas là? Ouais. Bah ouais. Ah bon bah, on va récupérer son stuff. Ah ouais mais on la bousille comme ça quoi, genre en mode en avant. Ouais, à l'aventure compagnon. C'est un peu relou par contre de... Ah ouais d'accord, ok, bah let's go. Moi bon, j'étais en train de manger mes chips pendant que vous étiez en train de la marade. Hop là. J'ai eu le temps de lui piquer ses fringues. Oui alors moi j'ai... Ah non j'ai pas réussi, je crois qu'il les a pris quand même. Ouais, j'ai ses bottes, son armure et des chaussettes. Des chaussons. Des chaussons? Ouais, j'ai des chaussons. De goût. J'ai avec... son pantalon, mais du coup, j'ai un soutif si je le mets, quoi. Genre. Y'a pas de. Tu veux que je te file ces chaussettes de. Oh! Ah, purée! Elle avait des. 14 naturels, ça va passer tout seul. On va pouvoir trouver le camp facilement. Oh, elle avait une armure trop bien. Allez, let's go. Peut-être que la poche d'alchimie, j'en ai pas besoin de deux. Quelqu'un veut la poche d'alchimie? Oui. Donc elle avait quoi comme armure? Je l'ai mise par terre. Elle avait une armure moyenne que j'ai mise. Oh, comme ça ne va pas du tout. Oui, non, c'est immonde sur moi, je suis d'accord, mais... Mais bon. Ah mais je sais pourquoi, c'est parce que du coup t'as pas ton fut en fait. C'est pour ça, attends. Ouais. Tiens. Je t'ai foutu un mais, fut. Mais elle est vide la bourse d'alchimie. Ah oui, elle est vide, c'est juste je te file le conteneur. Ouais mais je peux pas le prendre. Tiens, attends, t'es où Tiens, par terre je te mets un pantalon. Si tu peux fermer, examiner, lancer. Attends, je te le fais glisser dans ton... Ok. À tes pieds t'as un bâton, enfin t'as un... comment ça s'appelle? T'as un pantalon à tes pieds et je pense que du coup si tu l'équipes, ça se voit avec l'armure et ça doit être un peu mieux. Yes, je vais le récupérer. Est-ce que tu veux aussi le sac de provisions ou pas? Non, c'est bon. Bah si c'est le sac de provisions, ouais non, je vais le prendre le sac de provisions. En dessous des petits flapettes de cuir, on voit vraiment que t'es à Welp. Et ouais, ça me fait marrer ça. Fais tourner ton perso assez vite avec... Alt. Pour étendre l'inventaire. Ah ok. Non, mais c'est parce que j'étais sur la vue de groupe, c'est pour ça. Je vais garder les sacs d'alchimie, tu veux que je te file aussi le mien ou pas? Ça me stresse parce qu'on n'est pas du tout allé par là. Non, c'est bon. Parce que si moi j'ai trouvé une pelle, je peux te filer au moins les poches pour les... J'ai trouvé une pelle. Et donc il y avait le pantalon. Hop. Alors si je mets le pantalon. On n'est pas allé par là. Ah bah non. J'entends des voix. Oh, moi j'ai trouvé une pelle. Coffre. Je trouve une pelle. Attends, il y avait une pelle. Oh, venez, faut aller creuser les trous tout à l'heure. Ouais, je vais aller voir. Ouais, pas pour, allez. C'est toujours bien de se promener dans la nature. Ouais, moi je me sens tellement viril là. Ah bah, t'as pu le mettre le fut au final ou quoi? Ouais, non, parce que c'est le fut de quand t'es en long rest. Le soir. Ouais mais ça se voit pas du coup avec l'arme. Non, c'est la tenue. Dommage. J'ai réussi un jet de sauvegarde, je sais pas de quoi, j'ai pas vu. Il y avait des vines, de la perception. Oh. Il y avait ce coffre là, il y en a un autre par là-bas. Que des parchemins, ça se pourra Arda. Oui. Ouais, mais ici là, il y a sur le balcon. Ouais, sur le balcon, tu peux aller regarder. On avait pas trouvé un autre c'est stylé en plus, c'est des bons sorts. Si, en dessous, en bas, il faut descendre. Et là, parchemin d'agrandissement, oui.
Bah tiens, il y a un spell encore pour toi, la Color Spray. Ah, c'est trop bien ça. Bah vas-y, prends-le mais mets-le dans mon inventaire ensuite. T'es sûr qu'il y en a encore un ici ? Je suis ton laquais quoi, c'est ça qui se passe. Non, je pense pas qu'il y en ait eu d'autres. Ah, on s'est mis bien là. J'ai plus de sorts que j'ai de pièces d'or pour apprendre les sorts. Tiens, tu veux des pièces d'or, j'en ai. Moi je suis pauvre, hein, vous m'avez toujours payé, vous me laissez pas les cordons de la bosse 50 balles. Oui, alors si tu pouvais éviter de tout cramer des sorts. Après on va tous être pauvres. Ah mais attends, mais moi j'ai l'impression que c'est un poil buggé là, je peux plus rien faire avec mon inventaire. Ah je peux être. Donc, à la limite, Arda, serre-toi dans mon inventaire, prends les sous et prends le scroll. Moi je peux pas te les dropper ça, je sais pas pourquoi. Tu peux pas me les dropper ? Non, il veut pas. Je sais pas si t'arrives à me les prendre. Mais... Tu veux qu'on aille par où ? Bah, on peut remonter. Où est-ce qu'on était ? Ah là, on a pas laissé bon, réussi. Il y a des gobelins à crever. Quoi ? Hop. Ah, regarde à tes pieds. Ah, faut vite aller chercher les gobelins. Le mec il marche sur des cadavres. Achète. Où ça ? Ouais, bah. Allez, c'est déjà un peu plus en train d'explorer. Pour l'instant, on est loin avec. Avec moi. Avec Atémir. Ouais, moi je suis en train de fouiller, voir si je trouve pas des. Vous n'auriez pas besoin d'un short rest aussi ? Moi ça me sert à rien. Les short rest, ça me sert à rien, ça me permet pas de récupérer. Bah, moi ça me permet de me heal et de récupérer le ki, alors je vous avoue, c'est pas mal. Si tu veux, on en fait un. Dès qu'on arrive devant un truc qui ressemble à un fight. Bah là je sais pas, il y a un mec qui est pas mort, alors je l'avoue. T'es où ce ouais, ça dans. Un flagelleur mental avec 3 PV, il est mourant. Ouais, pense qu'on va le gérer quand même. Bah je sais pas, c'est peut-être plus s'il y a d'autres gens qui squattent après, tu vois, je sais pas. On peut lui parler. À part les yeux. T'es sûr que tu veux lui parler ? Pas trop. Bah je suis réglé. Là, il va beaucoup moins bien parler. Il a souffert de décès. De vitesse. Voilà, il est mort pour cause de décès. Par contre, faut gérer la carte, on est où ? Bah, soit on remonte. De toute façon, là, il reste plus qu'un chemin. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a pas le choix. C'est quoi le hidden cache, à votre avis ? On peut pas essayer d'y aller ? C'est parce que j'ai lu le truc du parchemin d'une cache et donc ça te. Ouais, je t'ai filé la map aussi. T'avais filé les deux. C'est moi qui l'ai. Ouais, mais je les ai lus. Je les ai lus. Tu les as refourgués. Pourquoi je suis dans. Oui, alors il y avait une petite flaque de feu. Ah oui. Allez, let's go. Le gars il aime bien perdre de la vie pour rien. Ouais, j'ai sauté par-dessus. C'est vrai que j'ai pas sauté au fait qu'on puisse lire. Non mais. Mais pourquoi je suis allé en arrière ? Ça t'apprendra. Attends, restez proche, je vais faire la chanson de repos. Mais. Ah ouais, grave, je suis chaud. Mais c'est pas normal. Et après, on peut juste aussi prendre un short rest. Hein. Ah, regarde, hop. Ah, ça va mieux. Excellent, merci. Ouais, c'est pas super. Toujours pas full heal. Oh, il y a un coffre. Mais vite, c'est celui que j'ai déterré. Oh. Ah, il y a peut-être encore de la baston qui nous attend là. Moi je vois des gens là. Oula. Oui, ça sauvegarde juste avant. Oula. Ah oui. Il y a des gens là. J'aime pas ça. Attends, il s'appelle comment le mec ? Aradin. Aradin. Ah, allez, Aradin. Attends, ça par contre je comprends pas le mot. Oula. Hey. Oh. On va lui faire des câlins. Ouais. Là, ils sont pas. Ça fait de l'XP. Oh, y'en a un qui a mis son plus beau jour rouge à lèvres. Ils sont 3. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire.
un warlock. Provoke the blade. Oh. Oh bah tiens, prends ça. Wow. Excusez-moi. Ah oui, donc il y a ouais, il y a du monde. What, il y a du peuple. Pourquoi je suis premier? Mais nous on est 4. J'ai quoi comme ça moi? Après c'est qui? Moi je suis où moi? Faites gaffe, il y a des gens en surplomb de vous hein. Oh vas-y, pousse-le. Je peux pas. Oh des... Oh là là, mais ce manque de réussite. Ouais, mais j'avais pas vu l'initiative du tour là, c'est mille ans hein. Ouais, j'aurais peut-être préféré mettre Bane. C'est quoi Rally 2? Je sais pas, peut-être qu'on a le... Il vient de lui mettre. Tu gagnes 8 points de vie temporaire. Oh, c'est stylé ça. Mais c'est marrant parce que vous l'avez, moi je l'ai pas eu. Et Arda non plus. J'étais trop loin moi. C'est définitivement Warlock. Ouais. Alors... Vas-y, Gefol. Moi, je te joue à peu près, je verrai un peu ce que tu fais. Bah, je vais aller déblayer un peu les hauteurs là. Sérieux? D'accord. J'avais 90% de chance, mais bon. Moi, j'ai pas trop mis le choix, mais je vais quand même mettre en hauteur pour les taper. Je peux pas aller chercher lui. Ils ont de la vie les petits hein. Bon. Petit et ténueux. Un de moins. Il a buté son pote là. Non. C'est Katox qui l'a tué. C'est Katox qui l'a buté. On m'a confondu avec un gobelin quoi. Oh. Arda il a perpète. Mais oui, mais vous m'avez pas attendu comme à chaque fois. Bah oui, bah Ça peut marcher plus vite là. Oh, il attache. Oh, c'était un gros push sur celle qui est là au-dessus, ça doit être terrible. Ouais, c'est ce que je veux faire. Je vais aller la tèche et comme ça, après, je redescendrai pour aller. Ouais. Par contre, je pense que peut-être qu'il faudrait que je mette la blesse avant. Je vais la mettre au PNJ, non? Bon, s'il survit, il reste quoi? Bah, je pense que, enfin, vu le nombre de PV qu'ils ont. Ah non, ils sont level 2. Wow. Vas-y, Aradin est level 3. Eh, perdu. Bon là par contre, peut-être que... il va se sentir un peu oppressé le gobelin. Ouais, ça, au bout d'un moment là... Ouh. Ah, joli. Joli. C'est pas mal du tout ça. Elles sont stylées les animations hein, du moine. Ça fait pas beaucoup de dégâts mais c'est stylé. Oh là là, ça tabasse. Je sens que je servirai à rien. Ouais, c'est vrai que là pour le moment c'est pareil, je fais de la figuration. Ouais, c'est... Ah bah allez, let's go. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a balancé là comme spell? Excusez-nous là. Je sais pas mais la pisteuse goblin elle a été one shot. Ah grave, c'est... Après elle avait 7 PV mais... Quoique, est-ce que je vais vraiment... Je vais essayer de lui marave la gueule. Ah bah oui, c'est bon. Ah oui, c'est un Eldritch Blast qui l'a balancé. Est-ce que tu vas tuer quelqu'un en l'insultant à mort? Pas loin. Presque. Il lui a donné la migraine. Là. Et les chuchotements dissonants, c'est pas... Enfin... Non, c'est pas la Vicious Mockery. Ouais. Vicious Mockery, c'est vraiment un des 4 PV. Donc c'est vraiment quand le gars a trop d'armure, par exemple. Merde. Il s'est mis à jouer de la zone.
Et oh là là, cet échec critique. Ça, c'était un très beau gameplay. Allez, Arda. Allez, Arda, tu pourras peut-être lancer un sort. Est-ce que je... Non, je veux pas gaspiller un sort, ça va pas à la tête. Bah, franchement, les PNJ, là, si on veut les suivre. Ouais, le Zakroug, là, il y a moyen. Ouais, dégage. 50 points XP, ça c'est bon, ça. C'est quoi, je vais rester là-haut. Eh, mais on va pas tarder à passer level 3, d'ailleurs. Déjà ? Bah, je viens de regarder. On est... Tiens, dégage. Ta stat max, c'est... Enfin, ta stat max, c'est la carte. Un PV, ça me dégoûte. Ah, ça c'est l'échec critique. Ouais, j'ai loupé un coup sur les trois et du coup il reste un PNJ. Ah, c'est les PNJ qui vont terminer le combat, quoi. Ça fout le seum de ouf. Ma stat principale c'est quoi? C'est Wisdom, Dex, c'est quasiment les deux en même temps. Mais t'as combien? C'est pour plein, je suis à 16 dans les deux. Putain, j'ai l'impression que t'as une touche qui est assez, assez élevée, quoi. Allez, let's go, on loot. A ton avis, pourquoi je me suis rapproché? C'est bon, vous avez tout looté. Non, il en reste deux. Encore. Mais j'étais loin, alors j'ai eu la flemme. Ouais, Katox, y aller. Je crois que j'ai commis un crime en fouillant quelqu'un, mais bon, tant pis. Ouais, il faut. Faut faire gaffe parce que quand t'es dans la vue, de certains PNJ, ils aiment pas ça. Les PNJ sont. Ouais, y a pas eu de PNJ de sur... Bah, sur le mur. Sur le mur. Tout en haut. Oh, ah, mais non, t'es déjà en haut là. Non, non, il est pas en haut. Ah, je suis. Ah, on a monté un niveau. Je viens de voir. Ah ouais. Ah ouais. Bah, est-ce que. Gérons ça tout de suite, hein. Let's go. Ah, le meilleur moment, je vais passer en mode avatar. Mais j'aurais tellement servi à rien dans ce combat, j'ai balancé un spell, quoi. Oh, let's go, j'ai les armes, j'ai les spiritual weapon. Alors, emplacement de sort de niveau 1 et emplacement de sort de niveau 2. Oui. Je t'en fais. Moi, je suis en train, je suis dans une conversation là, moi. Ah. Mais non. Bah, voilà, bon, on m'a parlé, on va le répondre. Donc là, il a juste insulté le gars en disant qu'il y avait des enfants et qu'en plus il a perdu un droïde et qu'il est un peu un abruti. Et moi j'arrive en disant c'est incroyable, vous avez battu les gobelins, vous êtes tous les deux des héros. C'est le barde qui fait allez, on est tous potes. Hein. Bon bah j'attends que vous soyez là du coup. Ouais. Ouh, flèche d'acide de Melf. 4d4 d'acide plus 2d4 d'acide retardé. Ah, pas mal ça. C'est bien ça. Ah, là, les deux ils sont. J'ai aussi le rayon affaiblissant. Je pense que je vais prendre le rayon affaiblissant. Oh, j'ai les rayons ardents. 6d6. C'est 3 rayons enflammés qui affichent chacun 2 à 12 points de dégâts de feu. Ok. J'hésite. Parce que l'acide, c'est bien quand même. Ah, et t'es obligé de les choisir maintenant, t'auras pas accès dans ton livre de sorts à tous les sorts. En cas de coup raté, la cible subit voilà. Tout de même la moitié des dégâts initiaux. Tu vois, c'est là que j'aime bien dans les interactions avec les humanoïdes, parce que j'ai d'office un sort cantrip qui me donne un avantage. Je suis avec toi sur la discussion là et j'ai aucun. Attends, regarde. Mais non, mais là j'ai juste les deux qui se regardent comme des chiens de faïence. Ouais, parce que je dois faire, bah, mon jet de dés. Mais j'attends okay. L'autre. Mais moi j'ai rien en fait, du tout. En fait, c'est un des sorts, je vous avoue. Parce que j'ai un plus 5 de maîtrise de base. Et après j'ai un avantage, c'est pour ça que je vais lancer 2 dés. Mais Illuwarda, il arrive. Tu l'as là. Ah, mais j'ai pas je t'écoute, je te regarde. 22. Allez. Show some respect. This man saved your pathetic life. Oui. Oh, les gars, j'ai des spells, vous allez voir, c'est un help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward. Bon, par contre, je vais vous faire chier parce que moi, il va falloir du ki tout le temps maintenant. The human's eye twitches. He's about to blow.
Une petite intimidation. Persuasion. Ouais, oh, intimidation, c'est bien. Vas-y, fais-toi allez. Plaisir. Et c'est reparti. Ah, tu veux alors cette fan dessus ? Bien joué. Ouais. 24. Oh, bah, quand t'as réussite. Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. C'est tout ? On peut se prendre mon niveau. Parler. Vas-y, vas-y. Ouais, regarde, on peut lui parler à Zevlor. Oh, je peux choisir une sous-classe. Alors. J'ai le collège des épées. Parcourir le pays pour rencontrer le grand dossier. Inspiration de combat. Un mode de 6, son projet jet d'attaque, jet de caractéristique ou jet de sauvegarde. Jusqu'au prochain le repos. Ah oui, non. Coller du savoir, c'est bien. C'est stylé ça. Vous êtes avec moi là sur la discussion avec Zevlor? Oui, 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 ah, d'accord. Pas du tout. Ben moi pas du tout. Hop. Oh, je suis classe quand même. J'adore la remarque. Qu'est-ce que je suis beau. J'exude véritablement le charisme. Stylé, leurs yeux, ils sont vraiment en feu en fait, j'avais pas fait gaffe. Ah oui. Oh. Yes, let's go, une carotte. Une carotte, ça va être bien ça, oh, pour le prochain long repos. J'ai trouvé des sandales de gladiateurs. Ouais, des... j'en avais déjà. Ça sert à rien. Oui, c'est pas grave. Mais ça se vend. Alors que les gants que j'ai. Ouais, ça se vend. Vous êtes parti par où là? Je sais pas, au-dessus il y avait plein de gens en jaune, alors je t'avoue, je suis parti avec Arda. Alors il y a des trucs, mais c'est en rouge, on peut pas voler. Ouais, sinon, si tu te fais. Si tu te fais. Allez. Si tu te fais prendre, ils aiment pas trop. Attends, je vais tester un truc si tu veux piller le cadavre. Regarde. Si je fais ça. Ah non. Ah, bizarrement, ils ont l'air d'en avoir rien à foutre. Ouais. Ah. Non, ils s'en foutent. ta chanson. Après, c'est bien, tu fais une petite oraison funèbre pour le. Je suis en discussion si jamais. Avec qui ? J'ai pas une nana. C'est le dialogue des rousses. Yeah, when he ran off with the druid that saved our hides the first time. Without Halsin, this grove's not so friendly, I'll tell you that. C'est tout. Oh, c'est tout. De mémoire, si vous passez vers moi, il y a peut-être moyen. Oh. Bon bah, à tout à l'heure, Arda. T'es bien. C'est autour du Katox. Moi, j'ai envie de tester mon nouveau sort.
Bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Nuée de dagues, voilà. Ah oui. Ouais, ça est overpété ton machin là. Là, c'est surtout... enfin, là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en fait, si tu mets ça sur le bord d'un couloir, ça doit être pas mal parce que tous ceux qui rentrent et sortent de la zone prennent des dégâts. Ah, il y a Baston. Ah, il y a Baston. Bah, il est presque mort en fait. Wow. Si t'es pris ton propre sortilège, espèce de bouffon. Moi. Non, moi, mais je pensais que ça m'épargnait moi-même, mais non. Oh, tiens. Je suis chaud pour un petit short rest d'ailleurs, si jamais. Tiens, tu as regardé dans ton inventaire, Weird. Ok. Attends, on est en train de parler avec. Bolo, never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. Tu vas te calmer là? C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, carrément. Ah oui, bah oui, oui, bah tu crois quoi? That bloody Irenes. Devils just can't stand to lose. Here. Now go back to the pit that made you. Ooh. You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Considering what I've seen, you'd be surprised. But if you're not here for the coin, I'd rather enjoy the quiet. There's not much of it anywhere else. Oh. Vous pouvez pas la blesser. Il y avait quoi sur Je le laisse. Oh yeah, j'ai une Morgenstern! Ah, stylé. Il y avait des trucs sympas sur le Gobelours? Bah, une Morgenstern. Une Morningstar, ou une étoile du putain. Et toujours pas d'arbalète lourde. Ça, c'est dommage. Non. Par contre, les attaques à distance, j'ai un bonus de plus 2. Est-ce que ma force, elle sert quand même dans les attaques à distance ou c'est la dex de full? Je parle avec un écureuil. Tu parles avec Noisette? Oui, je parle avec les animaux. C'est trop mignon. Je peux pas, moi. Il est bien designé. Ah c'est bon, j'ai récupéré, maintenant je peux, j'ai blindness, j'ai la prière de soin quand on est hors de combat, et j'ai aussi le silence, ça va être cool. Et j'ai l'arme spirituelle. Vas-y, ça marche comment ça? C'est ouf en vrai que tu puisses causer avec un écureuil. C'est pour ça que j'ai pris ça, je veux pas le lâcher, je l'aime bien. Oh! Ok, calm down. We can make a deal. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Oh, stylé. Une arme spirituelle. C'est beau ça. T'as droppé quoi du coup Une oreille de hyène. Est-ce que vous voulez que je m'occupe de Noisette? Non, c'est bon. Non. Avec l'arme spirituelle? Je m'en suis chargé. Oh. Non, mais... Il y a un piaf plus bas. Vous pensez que je peux le tuer? Mais bien sûr, mais il est gentil. Mais quel gros barbare. Il voit un être vivant, il veut le dézinguer direct, ça n'a aucun sens. T'es sûr que t'es un prêtre, toi, à la base? Oui, mais c'est... T'es vraiment rentré en combat avec l'écureuil, hein? Oui. J'en peux plus. J'ai trouvé le marchand. Ah bah oui, je peux le tuer. Bon, Noisette... Ouais, je viens de voir un XP. Bon bah Noisette en plus il y avait pas fini. Vous êtes passé où?
Avec le marchand. Ah, let's go, j'arrive. Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Oh, la réponse 3. It's a drastic measure. Ouais. The survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need. Ah, oula, ouais, quand même. Armure de peau plus 1, Brian plus 1. Ah, non, c'est dommage, y'a que toi qui vois du coup ce qui se passe. Ouais. Tu peux pas acheter. Bah, attends, je vais te filer les. Ce que j'ai dans mon inventaire. Comme ça, tu. Tu pourras vendre. Alors là, là. Mais sinon, je ferai le passage juste après. Hein. C'est quoi Ah tiens, j'ai trouvé des outils de voleur. C'est à qui faut que je passe ça? C'est à Atemir. Ouais. Ouais, parce que maintenant j'ai plus 6 en Flight of Hand là. Commence à devenir pas mal ça. Par contre les bouquins là de la quête, je sais pas s'il faut pas les garder. Oh là, ouais. Ah du coup j'en ai 5 là des Thief's Tools, ça commence à être bien. Ouais. Je suis en train de monter toutes les merdes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ah, oh, c'est horrible parce qu'en plus l'inventaire se réorganise à chaque fois. Bah, qu'est-ce que tu crois? Attends, tu crois que je vais faire ça correctement? Fais gaffe, il y a une rapière dans le temps. Donc, je sais pas si tu veux la garder. Ah! Ah, oh, je la garde. La balle, par contre, la balle elle fait pouic quand tu cliques dessus. Quoi? J'ai une balle qui fait pouic. Attendez, attends, vas-y, Arda, tu veux tester? Tester quoi? La balle qui fait pouic. La balle qui fait pouic? Ouais, tiens, vas-y, prends la balle et bouge-la dans ton inventaire. Ah, oh, c'est génial, putain. Oh là là, qu'est-ce que tu m'as pas donné? Pourquoi vous m'avez donné? Ah, vous, par contre, tu la vends par un schlag. Il a argent infini ou pas, le marchand? J'ai une Mortenzeng, c'est un sujet. Non, pour l'instant, je suis au-delà de ses capacités. Ouais, mais il y a d'autres marchands dans le camp. Ouais, mais ça se trouve. Attends, j'ai des parchemins de. J'ai un parchemin de ouf là! Tiens, pourquoi, ça Arda? Pourquoi vous mettez des trucs dans mon inventaire? Moi je vends rien! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Merci pour les parchemins! Je m'occupe du marchand. Tu veux pas garder le bouclier? Quoi? Pourquoi tu veux pas garder le bouclier avec ta Morgunturn? Ah si, je le garde au cas où, mais je te l'ai pas refilé là, le bouclier. Je sais pas, moi j'ai un bouclier et dans mon inventaire avant j'ai un bouclier à pointe. Moi je t'ai filé un bouclier. Ah c'est moi qui te l'ai filé. Ah c'est toi? Ok, je croyais que c'était moi. Le bouclier à pointe, c'est moi qui te l'ai filé, je l'ai droppé sur un gobelin. Bah si. Tu me l'as filé à moi ou? Non, je l'ai attends, filé je te le renvoie. Par contre, pourquoi je peux pas te mettre d'autres BG? Tiens, j'en ai une déjà de Morgenstern que je peux t'enfiler. Pourquoi j'arrive pas à te mettre la Morgenstern dans ton sac? Ah, t'es full. Ah, t'es ultra encombré, mec. Pardon. Je crois que... Ah, c'est ça. 139 tu... sur 100. Oups. Sorry. Le gars, il est en train de se péter le dos. Tu sais, en fait, il sort de son sac et à chaque fois, tu remets dans le sac en même temps, tu vois. Ah, mon inventaire, il est... presque vite, c'est agréable à voir. Putain, je vends des bols, des assiettes, j'ai l'impression d'être un... bon. Alors, il y a un truc que j'ai peut-être loupé, mais normalement, on n'est pas censé pouvoir gagner des compétences. Je reviens, je vais faire un AFK club. À chaque niveau peut-être pas à chaque niveau, si, c'est pas au 4 les feats. Non, ça c'est... ouais. Non, en gros, c'est au niveau 3, toi t'as gagné normalement certains. Tu gagnes certains perks, mais pas tout non plus quoi.
pour avoir les scores de... Tes scores de compétences qui augmentent, c'est tous les 4 niveaux, donc c'est 4, 8, 12. Uh-huh. Et c'est soit tu prends un talent mode. Comment on appelle ça? Soit tu prends un talent qui va te donner un vrai bonus, genre par exemple en tant que mage, t'as des trucs assez sympas, genre spell sniper. Et tu parles des feats? Ouais. Et autrement, t'as des talents qui vont te donner du coup. Peu d'augmentation de score avec autre chose, ou t'as un tal où le truc de base c'est plus 2 dans une carac, ou alors plus 1 dans une carac et plus 1 dans une. Ok. Bon, du coup, est-ce que je dois acheter des trucs parce que là le marchand il a 400 et moi j'ai 800. Mais en fait, on sait pas trop. À la limite, tu pourrais peut-être nous montrer ce qu'il a parce qu'on sait pas ce qu'il a en fait. Est-ce qu'il a du stuff en termes d'armure ou en termes de je sais pas quoi peut-être? Ouais, il a de l'armure lourde, de l'armure intermédiaire et de l'armure légère, le tout plus 1. Ça ne m'intéresse pas, mais... Voilà, au niveau des armes, il a une hache à deux mains, non, une hachette à une main. Un des 6 tranchants plus un des 4 tranchants. Et qui... inflige, donc c'est 1 des 6 tranchants plus 1 des 4 tranchants plus 1 des 4 c'est 1 des 6 tranchants plus 1 des 4 si la cible est en feu. Et t'as, je sais pas, il a des anneaux, des machins peut-être, non? Il a un anneau de lancer, le porteur gagne un bonus de plus 1 des 4 aux dégâts de lancer. Bah c'est peut-être bien pour toi ça, sachant que tu tires à l'arbalète de temps en temps, ça fonctionne? Non, c'est lancé. Ah, c'est genre si tu balances un caillou? Il y a un casque en cuir, jet de sauvegarde de dextérité plus 1. J'en ai déjà un de casque en cuir, moi. C'est quoi comme type d'armure, le casque? C'est un casque en cuir. Armure légère. Ah bah, je peux pas. Si, je crois que le bonus de texte, tu l'auras quand même. Non, mais ça me donne un malus à mon... Ah ouais? Moi, il faut vraiment pas que j'ai d'armure, en fait, si tu veux. Ah d'accord. En fait, une armure lourde... Armure lourde plus 1. Une armure lourde plus 1, sérieux? Ouais, bon, une armure lourde plus 1 et plus 1 au jet de sauvegarde des tests basés sur la force. Attends, parce que moi là j'ai l'armure de la Hazel, j'ai une armure, une classe d'armure de 15, donc là je sais pas combien ça fait avec le plus 1. Ah bah ça fait 15. Ça fait combien? Ça fait 15. Elle doit être chère quand même. J'ai gants piégeurs de projectiles. Vous êtes capable d'intercepter des projectiles tirés par les armes à distance. Oh déjà ça. Ce qui réduit les dégâts qui vous infligent de 1 des 10 plus modificateur de dex. J'ai ça de base. T'as ça de base? Ouais, c'est un spell de moine de base. T'es un show. Le casque, il dit. C'est. On peut pas le. C'est vraiment d'armes. Ouais, en fait, c'est ça. Non. Tu pourrais pas nous faire un screenshot? Bah sinon. Ah ouais, bah non, ça marche pas, c'est pas possible. Bah non, je peux pas. Tu peux... Bah sinon tu sais quoi, je vais non, je vais pas enlever du stuff, ça va être chiant. Je dois tout vous renvoyer, ça va être lourd. Mais prends, à la limite, je sais pas, bah toi t'as des trucs qui t'intéressent déjà? Bah je regarde il y a une armure légère plus 1. Un point de dégâts contendant en moins, mais bon. Après ça coûte combien ces trucs là? Parce qu'il y a ça, là t'en as pour 800 balles t'as dit? Là j'ai 800 balles, les armures c'est entre 400 et 210. Et bah prends lui une armure déjà, on en parlera plus comme ça au moins. De toute façon... Après, de toute façon, faut qu'on garde de l'argent pour Arda, pour qu'il puisse apprendre ses sorts. Je pense que ça, c'est important aussi. Et j'ai un bâton 1, qui te donne le sort de créer de l'eau. Non, je l'ai déjà, moi, celui-là. Et l'heure de pluie. Ça ira très bien avec une danse. Je peux acheter une pizza, donc j'ai acheté une pizza. Tu sais quoi? Je te propose de regarder ça entre deux épisodes. Ouais, bonne idée. En fait, j'aurais dû faire la pause. Ouais. On allez. On va prendre le réflexe de faire les pauses pour les marchands. C'était toi qui avais lancé l'épisode ou c'était moi? Je ne sais plus. Je crois que c'était toi. C'était moi? Eh bah, parfait. Eh bah, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Au revoir. Salut.